Bonjour, bonjour, bonjour! Salut tout le monde! David, nous sommes à Casterino. Voilà, il fait pas super super beau, mais on croise les doigts pour que ça. Pour que le beau temps revienne. Il est cool son 4x4 à lui. Bon les amis, voilà, on est parti en mode bivouac, voilà, chargé comme des sherpas. La route pour Casterino, elle est un petit peu périlleuse, non, elle est rouverte, mais. Et regardez, c'est quand même toujours, toujours aussi beau cet endroit. Allez, on est parti. Donc on espère qu'il n'y ait pas trop trop de neige. Et on va essayer de bivouaquer, on va se trouver un petit endroit sympa. On verra bien, on va là où le vent nous mène. Ça va mon cher David? Ça va, enchanté depuis le temps que. Ah, ça fait un moment qu'on devait aller randonner ensemble, Voilà. mais la vie fait qu'il y a toujours un empêchement. Là, franchement, ça fait du bien. Voilà. Le temps n'est pas spécialement avec nous, mais je suis sûr Non, que ça va avoir son charme. c'est couvert, mais bon. Quatre-quatre conseillé. Ah bah c'est quoi, on n'a pas de 4x4. Voilà. À droite c'est la Valmasque. Nous on va à Casterino. Non, on va, pardon, Lac des Grenouilles. Refuge de Fontainebleau. Bon c'est pas si loin, hein. Mais c'est que ça Non. monte. On va voir après si tu vas à l'état de. De base, on voulait faire la Valmasque, mais on avait peur que ce soit trop enneigé. Donc. Bon bah voilà. On est au point de départ. Et moi je suis déjà trempé, je suis en sueur. Voilà, on rentre dans le Mercantour. Bon, mais comment ça peut voir? Voilà, vache. Un petit crachat de Normand. Ouais, c'est vraiment des petites gouttes, hein. Et là, on se dit heureusement qu'on n'a pas le soleil. Du coup, c'est moins pénible. Mais bon, s'il flotte, ça peut devenir pénible. Oh, je suis en sueur. Putain, là, le sac, il pèse. Hein. Hein, ça pèse, comme dit David, le poids du confort. Ouais. Ah, c'est bien neigeux là-bas. Ouais. Voilà, si on se met sur place, on se tire un soleil avec cette petite brume, ça pourrait faire vraiment super sympa. Le lac des Grenouilles, il est sur ta droite. Ah, je dirais 1 km, 1,5 km. Déjà? Ouais. Peut-être 2 km, allez. Voilà. Tu vois, moi, quand je vois ça, eh ben, je me dis, je sais pourquoi je me fais chier à porter un sac qui pèse lourd. Ah, c'est beau, Voilà, ma théorie. Et ce soir, on dort avec les loups.
avec un petit concert d'oiseaux, rien que pour nous. Voilà, donc on arrive de là et nous on prend à droite pour aller au lac des grenouilles. Bon, par contre, s'il n'y a pas de grenouilles, ça va chier quoi. Ah non, là... Parce que la dernière fois on est venu avec Daniel. Hein, Daniel, souviens-toi, mon ami, on disait que c'était de la publicité mensongère. On n'avait pas vu de grenouilles. Non, pas de grenouilles. Rien. Le refuge, c'est derrière. Oula, on y est pas. Il va falloir qu'on prenne toute la route qui monte là. Tu vois, il y a une maison là-bas. Ouais. Eh ben, je crois que c'est le refuge. Ça. Non, ça me paraît pas. Ça me paraît prêt pour être le refuge. Non, c'est la maison que je te disais où il y a le petit pont qui est hyper joli. Bon, les amis, on vient de voir deux marmottes. Et c'est officiel. Elles sont sorties. Les marmottes sont de retour. Ouh là, c'est un petit vent qui picote là. Donc le lac des grenouilles, il y a de la pluie très fine qui tombe. Tu regardes là-bas, marmotte, hop. Une petite cabane de berger. La petite cabane au fond du jardin. Il est bien, il faut se péter là. Ah ouais, là il est bien avec ses moutons, ses bêtes, ses vaches, ses chevaux. Donc là, on a une petite famille. Une petite famille de chamois. Ah, ils sont pas mal. Et puis il y a des marmottes derrière. Ah bon, on les fait partir. Ah, désolé hein, les amis. Ah, c'est trop bon. Ça se disperse de partout. C'est la panique. Désolé. Quoi? On va dormir là-haut? Ah, t'as vu, c'est... Ouais. Ah ouais, ça fait chier. Ben, en plus, là, il y a la brume qui arrive. Bon, ben, je crois qu'on va peut-être pas aller si loin que ça, en fait. Chaud là, c'est magnifique. Donc il n'y a pas de grenouille, hein. Publicité mensongère, toujours. Vraiment, pas, hein. À chaque fois on se fait avoir. On se dit on va venir voir des grenouilles et puis c'est trop beau. Bon bah il neige. De la neige.
des canards, hein. On quitte le lac des grenouilles et il y a un petit chemin, puis ça se transforme où il faut qu'on de toute façon faut qu'on regagne le sentier en bas. Donc on va ça. Oh, toi tu nous fais une petite maison dans la prairie, toi. Ça marche en roulant ou pas? Ah, mais il y en a que c'est fait plaisir là. Aussi des fois d'essayer des trucs. On vient de changer de sac avec David. Et je dois vous avouer que je revis. Je crois que j'ai perdu au change. Il me dit, fais voir ton sac. Et du coup, je rends plus le sien. Le mien est un peu plus lourd quand même. Hein. Mais je t'ai dit, tu prends la télé, le canapé. Bah ouais, non mais moi c'est mon duvet là. Ce duvet là, il est. Bah c'est un truc d'hiver, moins 20 degrés. Mais du coup, au moins j'aurais pas froid cette nuit, normalement. Voilà. Bon, tu me dis hein, quand t'as un âme. Ouais. Non, mais juste un. Oh, mais quel bonheur! Oh, j'ai l'impression de revivre là. Regardez ça si c'est pas beau. Alors, ça grouille de marmottes. Évidemment, à chaque fois que je sors la caméra, il n'y en a pas une seule. Mais vous inquiétez pas, on va en trouver. Chamois, marmotte, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Ça pullule. Du verbe pulluler. Chamois. Ah donc là on va arriver. Ah c'est quand même beaucoup moins joli qu'en été. Hein. C'est vrai qu'en été t'as toutes les fleurs. Là c'est, tu sens que c'est, on se croirait presque en hiver d'ailleurs. Soleil. Ah, regarde ça comme c'est beau là. On est qu'à... Ah ouais, on peut redescendre sur Casterino par là. Ok, mais ça doit être ça la boucle là. Ouais. 45 minutes. Ah, c'est ça, on est à... Tu vois, c'était bien le refuge. 15 minutes le refuge. Ok. Lac vert, 1 heure. Allez. Est-ce que tu te sens de garder encore un peu mon sac? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais le garder. Regarde la petite chaise là, là-bas, juste sous l'arbre. Ah ouais. Ouais, c'est super beau. Allez. On arrive au refuge de Fontanalbe. Lac vert, 1 heure. On va continuer par là, je suis jamais passé par là. Ouais. Ah, tu sais comme c'est beau. Place Fontanalbe, 2h30. Début d'ampoule déjà. Eh ouais les amis. Eh ouais, c'est ça l'aventure. Hein. Des fois ça fait mal, des fois ça fait du bien. Ah, ça va.
Là, on est en mode Himalaya. Ah, le mot aventure prend tout son sens. Et ouais, sortir un peu de sa routine là. Oh putain. Ah ouais, là c'est oh, pas putain. Bon. Non, c'est pas bon. Non, là c'est là... pas bon. Là ça sert à rien d'aller choper. Putain, j'ai les couilles au feu là. Petit souvenir, petit bêtisier. Ah, on est vraiment des... Alors, on a quitté le sentier, on n'aurait pas dû maintenant. On est encerclé par la neige qui est bien profonde. Là, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ah. Oh là là, là, quel instinct. Mais quel instinct animal. Normalement, c'est où il y a l'arbre, hein. Là. On espère. Si c'est pas ça, bah... Je pense que... Allez, on a retrouvé le sentier. Il est là, le sentier. Mais bon, il est autant enneigé. Donc, je sais pas jusqu'où on va aller, comme ça, sans raquette. On va voir. Recommence ce soir, on a vidé la bouteille de rouge, on va dormir un peu. Ouais, j'ai pris une fiole de whisky aussi. J'ai pris une fiole de Jack Daniels. Ah, il fait froid là-haut. Ah. Ah. Oh. Non, pas du tout. Donc le sac de David fait 13 kilos, parce qu'il a pesé son sac, lui. Moi, j'ai pas de balance. Et le mien, je pense qu'il doit faire... Tu dirais combien? 15-16. Ouais. Ouais, à mon avis, on n'est plus. Ah, ça y est, retrouvé la neige. Hihi. Ouais, là, si tu te vois, bah là, tu te fais. Wouhou. C'est typiquement le genre d'endroit où il ne faut pas tomber. Non, donc on va marcher, on va prendre un peu de hauteur là. Si t'as une luge, je pense que tu peux bien t'éclater là. Et là, wouh! Voilà, voilà quoi. Ah putain. Ah le sac là, je le sens bien. Ah je le sens bien le sac. Allez. Départ visite guidée, ouais, ça dure un quart d'heure ça, le truc. Ah voilà. Baisse de Fontainebleau, tout là-haut. Donc si on veut redescendre sur la vallée des merveilles, c'est par là. Non, c'est là, là. C'est là la vallée des merveilles. Par Valoreta, tu penses aussi? Non, mais la vallée des merveilles pour le refuge des merveilles. Ah oui. Ah, sûrement, ouais. Alors, bienvenue dans le secteur protégé des gravures rupestres. Mon cher David, il va falloir que tu ranges tes bâtons. Ouais. Car tu n'as pas les petits tampons. Et ça évitera bien des commentaires désobligeants sur ma chaîne. Ah, mais c'est interdit les bâtons. Ah, mais c'est interdit les drones. Eh ben, j'ai pas pris le drone, ça tombe bien. Eh, c'est interdit. Ouais, on sait, on sait. Mais on s'en fout. Regarde ça comme c'est beau. Le paradis. Alors là, attention les amis, là vous n'êtes pas prêts. Là on arrive dans une. On arrive donc dans, comme son nom le porte, la vallée des merveilles. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Lac vert. Ah putain, regarde. C'est une marmotte là.
Alors elle, regardez les amis, il y en a deux, il y en a une là aussi au long. Ah mais alors elle, regardez les amis, il y en a deux, il y en a une là aussi, regarde. C'est les gardiennes de la vallée des merveilles. C'est sublime. Au soleil, ouh, par contre, dans le vent. Wow. Là, j'ai ouvert la veste et je suis trempé. Ouais. Ah, si, tu peux dans. Ouais, ça, c'est un truc pour les bêtes à la base. Et puis là, il y a un petit courant d'air, mais bon, c'est vraiment en cas de pluie. Ah, en cas de pluie. C'est quand même bien, t'as un petit abri quoi. Tu sais pas où tu dors quoi. Ouais. Tellement incroyable, tellement ouf ce. Ah, regarde là-haut les baraques militaires là. Tu le vois pas le grand bâtiment? Je crois que c'était là-dedans qu'ils entreposaient leurs pots de peinture pour faire les. Ah ouais. Il est fou ce rocher là. Ah bah si, finalement on passe devant la baraque, je m'en rappelais plus. J'avais oublié qu'on passait devant ce. Ouais, je suis content d'être arrivé. Oh. Oh. Oh putain. Oh. Ah, il y a la marmotte. Alors attention, petit lac jumeau, vous allez voir. C'est merveille. Voilà. C'est pas un petit paradis ça. 2210 mètres. Voilà, petit lac jumeau, donc et l'autre, son frère est derrière et est beaucoup plus gros. Et celui-là, il est. T'as pris ton maillot de bain? Ouais, chiche. Voilà, là, c'est sûr, là, tu vas, tu restes au fond, je pense. Ah, tu sais que je crois qu'elle est pas plus froide que t'as passé des STT. Ouais, mais toi, t'es fou. Ah, regarde, mets tes mains. Ouais, t'es fou. Ouais, je crois que t'as. Mais mets tes pieds, tu vas voir.
Ah, on se met là pour. On avait mangé là avec Daniel, tiens. Mon petit Daniel. Ah bah regarde, il est complètement gelé le... Oh, ah ouais. Bon attends, on va poser le sac. Depuis tout à l'heure, j'en peux plus là. Ah, oh mais quel bonheur de. Oh. Waouh, oh. Wow, il est tout gelé. T'as pris tes patins à glace? Allez. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est... Merveille. Ça annonce l'été, c'est... Je mets mes lunettes, hop. C'est mieux avec les lunettes. Ah, c'est beaucoup mieux avec les lunettes. Voilà, on est comme des gosses. Comme dans un pays imaginaire. À faire des kilomètres, à souffrir pour arriver dans un pays imaginaire, hein, pays des rêves. Des grenouilles, et alors c'est ici qu'elles sont les grenouilles. Ah, regarde. Ah, voilà, mais elles sont là. Donc, ici, c'est le bébé lac des grenouilles. Et elles sont là. Thank you.
faire chauffer le petit lyophilisé qui va bien. Hey, il est 2h moins le quart quand même. Hein. Ah, on a traîné pour manger. On a bien traîné. Une petite noix de cajou Indian Spice. Très bien. Petit sauciflard de famille. Très bien. Et. Tiens. Comment il a dit que ça s'appelait déjà? Alors, c'est pas des babar Juan là. Ça ressemble pas à ce que tu avais fait goûter Daniel une fois. Bah, ça ressemble, mais c'est pas ça. J'ai oublié le nom. Comment il a appelé ça déjà? En direct live, les amis. C'est pas mauvais du tout. Dedans, c'est plein de. C'est quoi? Il avait dit qu'il y avait des épinards. Des blettes. Des blettes. Ouais, c'est un peu comme les, babajans. Hein. Pas mal. Voilà. C'est tout bien. Shame on you. Non mais. Non mais regardez. Le mec, il est déjà à la retraite, quoi. C'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas mal. Combien elle pèse cette chaise? 500 grammes. 500 grammes. On est pas mal quand même. C'est vrai, non, je reconnais. Je me suis foutu de lui là, parce qu'il avait acheté une chaise de vie. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. C'est 5 degrés. Minced beef hot pot. Carré, carré. Carottes, pommes de terre, viande. Qu'est-ce qu'il y a? Hachis parmentier. Blablabla. Bla, bla, bla. 600 calories. Et toi, tu manges quoi? Pâte au fromage et champignons. C'est un petit plat. 346 calories. Mais c'est végétarien pour ceux qui ne mangent pas de viande. T'es végétarien toi? Non. Ouais. Mmh. 600 calories. Eh ben ça fait du bien là. Manger chaud devant un lac gelé. Enfin semi-gelé. Ouais, on n'est pas bien, hein, franchement. Pâte au saumon. Ouais, bon, c'est vrai qu'un petit rayon de soleil, ça aurait été un petit peu. Mais elle a dur comme elle a dur. Hein. Ça. Alors, on est tranquille. Il y a eu un petit peu de monde. Là. Il y a eu 2-3 personnes qui sont passées, mais il n'y a plus personne. Voilà. Starbucks. Cappuccino, café, voilà. On a fini de manger. On est bien. On a repris des forces. On a replié le. Fini de manger, c'est après manger, c'est pas aussi facile qu'avant. Voilà, on est reparti sur le lac vert, on redescend. Nous quittâmes ce lieu somptueux. Quelle heure? Il est 3h. Voilà, on est resté un peu plus d'une heure. Alors, allez, attention, vous êtes prêts pour le lac vert? Enfin, le lac gelé plutôt.
Et voilà. Cascade dans tous les coins. Ah, c'est pas une vallée des merveilles pour rien. Et là, les arbres, vous voyez, ils font un peu la tronche là. Ça manque de fleurs, ça manque de verdure, d'éclat. Mais c'est quand même beau. Interdit de faire coucou ici. J'ai jamais compris pourquoi. C'est interdit de faire coucou, t'as vu? Voilà, petit paradis. N'est-ce pas un petit paradis? Oh que si, oh que si. Les oiseaux, ils marchent sur la banquise là-bas. Voilà, donc je pense que selon la météo, mais dans une semaine, il est dégelé quoi. On est en train de culpabiliser à mort parce qu'on se dit qu'on a pensé qu'on n'a pas le droit de bivouaquer ici. L'endroit là-bas est tellement beau, mais on n'a pas le droit. Donc forcément, si en plus on met ça sur YouTube, donc ça fait vraiment yesh quoi. Ça fait franchement yesh. C'est vrai que tant que ce soit pour nos besoins, pour tout, je veux dire, en patation, on ne laissait vraiment aucune trace. Ouais, mais t'as pas le droit. Donc. On va se faire délationner. Ah, c'est tellement beau, putain, c'est tellement beau. La poche elle est percée. Elle est quoi? La poche elle est percée. Merde. J'ai eu un petit jet dans la tête là.
on est dégoûté. En vérité, on est dégoûté parce que... Parce qu'on arrête tellement plus bivouaquer là. Là-bas en face là. Mais c'est interdit. Par le nous on arrivait de là. Ah, on est dégoûté de pas dormir là-bas. En plus ça aurait fait une... des images magnifiques, ça aurait été sublime. Le matin en plus c'est prévu qu'il fasse soleil, on aurait eu le soleil. Le lac des grenouilles. Bah après on joue le jeu, on n'a pas le droit de bivouaquer là David. On n'a pas le droit. C'est un zéro de conduite, ça va cette attitude. Après on peut partir, je comprends pas pourquoi le refuge. Je regarde juste la vue. Ah ouais, non, mais attends, c'est quoi ce chemin là? Je suis pas sûr. Hein. Mais on passe pas là. Hein. Ben, y a pas de chemin. Hein. Ça s'arrête là. On est revenu sur notre mur, faut pas se louper. Là on est en train de se dire que peut-être bivouaquer là-bas là, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon c'est sûr que ça sera moins sympa que le spot qu'on a trouvé, mais voilà, là on a le droit, là-bas on n'a pas le droit, et c'est comme ça, et puis voilà. Oh putain. Voilà, je suis KO. Bon, je sais pas si on a trouvé un endroit, je pense que ouais, je pense qu'on va rester là, parce que là, on aurait dû rester là-bas, on est dégoûté, on regrettera toute notre vie, voilà. C'est pas mal aussi, hein. C'est sympa ici, hein. C'est très très beau. Mais bon, là-bas, c'était l'exception. Voilà. Et du coup, moi, le sac m'a déglingué, là. Ouais, je pense qu'on est plus près des 17 kilos, quand même, hein. 16-17. Ramener la maison. Il est parti, David. Je sais pas, il est parti voir s'il n'y avait pas un truc mieux. Sympa, on voit le refuge de Fontainebleau. Et là, tu seras bienvenu chez moi. Ouais, bon, c'est un peu, ouais, c'est un peu archaïque. Ah, regardez comme, hop. Thank you.
moment le plus important de la journée. Voilà, au moins on passe pour des alcoolos. Domaine La Guiberte, Côte du Rhône, vin biologique. Le sang du Seigneur. Allez. Oublions nos soucis. Santé. Santé. Santé mon ami. Et regarde, voilà, profitons de ces moments exceptionnels, de ces moments privilégiés, même si on n'est pas en face du lac vert. Bon, c'est 16 km 21. Ouais. 956 de D+ et 500 de D- pour le moment. Pas mal. Voilà. Pas mal en mode Sherpa avec 200 kg sur le dos. Ça va. Alors voilà les amis, on est de renouveau à l'apéro. Alors, je vous suggère, les amis, je vous suggère ces noix de cajou Indian Spice. C'est une tuerie. Avec une petite tranche de halouf, comme ceci. C'est un délice. Et là, vous voyez, on est un peu les kings of the world. Un peu. Je dirais les princes. Et si on avait tout au lac vert, on aurait été des kings. Voilà. Bon ben voilà, la maison est finie. Il fait 8 degrés. Il est quelle heure? 7h, un truc comme ça? 6h40. Ouais, 7h moins 20, il fait 8 degrés, il fait même pas froid. Il fait super beau. Voilà. Donc apéro, puis après on va manger. Chin. Le lyophilisé là qui vient de 8 minutes d'attente pour manger, du coup on est sous la pluie. Voilà, il pleut. Étant donné qu'on se rend pas compte comment il pleut vu qu'il fait nuit, écoutez sur la tente. On est trempé les amis. On est complètement trempé. Voilà. Mais c'est cool. Et voilà, le petit rêve s'est transformé en cauchemar. Heureusement qu'on a réussi à faire chauffer ça avant. Moi j'ai mis un peu trop d'eau, bon, ben, c'est chacun son tour. Hein. Là, c'est de la soupe de chili con carne en fait. Oh putain. C'est chaud. Hein. Avec ça, là. C'est pas bon. Hein. Ah. Comment c'est pas bon du tout. Ah ouais. Alors le chili con carne, si vous pouvez éviter, c'est pas terrible. Hein. Mais là, tu vois, en termes de confort, tu te dis, eh ben, tu vas apprécier quand tu vas rentrer chez toi, tu vois. Ouais, après, termes de confort, malgré tout, quand tu vois comment que c'est chargé, s'il faut 100 mètres plus haut, c'est de la neige. Ah ben oui. Là, on est quand même confort. Ouais, confort. Ouais, vous croyez qu'on va se laisser abattre? Non, mais ça va pas, non. Le meilleur plat du monde. Je sais pas si je vous le dis parce qu'après j'ai pas envie que ce soit en rupture en fait, donc j'ai pas trop envie de partager l'info. Mais là, ceux-là, là, ils sont magnifiques. La marque Ril et pâte à la crème au saumon. On a assez. Ouais. Ouais, c'est génial. Ouais, on arrive avant la fin de l'année. Allez hop.
Je vais faire un petit hommage à un certain Mitch. Tu vois ce que je veux dire, Mitch? Parce qu'un temps comme ça, un temps de cow-boy, là, il y a les chevaux qui sont sous la flotte, là. Un seul moyen. Ça réveille. Ça réchauffe. Du whisky, du Jack Daniels. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Avec ce qu'on a. David, une lichette. Ah, allez. Hein. En caméra embarquée. Oh putain. Putain, ça fait très Hitchcock la lumière qui bouge comme ça. Ça va? Dun, 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 dun. Ah ouais. Ah bah. Moi, c'est là qui est habitué. Non, mais là, il faut. Ça, non, impératif. Les trois couches. Ça va aider. Et la quatrième. Bon, les amis, on vous dit à demain. Ciao, ciao. Et ben voilà. Bon, ben finalement, on n'a pas trop mal dormi. Hein. Non, ça va, on n'a pas eu froid. Il est quoi? Il est 7h15. Regardez ce temps. Regardez ça, les amis. Magnifique. Magnifique. Du café, petit café au soleil. Et voilà, ça va, pas trop dur la vie? Ça va, petit café terrasse. Et voilà, manque les croissants, dommage. Ah là là. Ça réveille. Ah non, ils sont plusieurs. De quoi? C'était bon là aussi pour dormir. Ouais. Et bah, y a toute une famille de chamois. On a tout plié, regardez, c'est tout beau, c'est tout propre. Hop, il n'y a plus rien. C'est magnifique. On y va. Voilà, il est quelle heure? 9h-10. Ben voilà, on rentre tranquillou au bout. Et ce temps là, ce temps, c'est après ce déluge hier soir. J'aurais pu aller prendre la douche là, hein, ce matin. Ouais.
Voilà, c'est maintenant il faut faire le plein nettoyage des poumons. Belle petite forêt comme ça, j'adore. Les petits oiseaux, tout ça. Ah, c'est vraiment féerique. On a retrouvé Olaf, enfin ce qu'il en reste. Olaf a morflé. Ça a l'air plus cher. Ouais, on pose un peu Olaf. Passer le matin comme ça, faire les premières traces, voir personne, c'est vraiment... Ah bah ouais, c'est pas ravi là, mais comment que c'est clair là. Ça cause là. Avec la bouteille de pinard, ça, franchement, ça fait vraiment pro, quoi. Non, bah, elle est encore pleine. Hein. Bah, vous avez vu le temps qu'il faisait hier, on s'est gêné pour la caler, tiens. On s'est réchauffé l'âme, hein. Avec une petite goutte de Jack Daniel derrière, allez hop, tout le monde au dodo, anesthésiant. Ah ouais, il est bien lui avec sa petite baraque là-bas. Oh, trop beau. Et oui, ils sont deux sapins, voilà. Ils sont tout seuls là, parmi ces géants là. Là, c'est marrant que lui, tu vois, il est tout touffu, tout fier. Très très joli d'ailleurs, un beau sapin. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. Ouais, ils sont trois. Quatre. Voilà, donc ce sont des mélèzes, hein, le mélézin, des mélèzes âgés de 100 ans. Voilà, nous sommes dans une forêt de mélèzes d'une centaine d'années. Et c'est vraiment incroyable comme à traverser là, c'est magnifique. Donc d'ici cet été, quand ça aura repris un peu de couleur et tout, je pense que ça sera vraiment chouettasse.
J'entends comme une meute de loups. On dirait des loups. On n'entendra sûrement pas la caméra, mais David me dit, mais non, c'est un mec qui chante. Et je vous jure qu'on dirait, on dirait une meute de loups. Oh, wow, comme c'est beau. Je suis quasiment sûr qu'il y a une meute de loups là-haut qui... Waouh. Voilà, on redescend tranquillement sur Casterino. En s'émerveillant à chaque pas. Putain. Putain, on entend. T'entends? Ah c'est ça, ça. Ah, je te jure, c'est un. Alors, c'est soit des chiens, soit des loups. Hein. Mais en tout cas, c'est. Des chiens, je vois pas comment il pourrait y avoir des chiens là-haut. Surtout que c'est interdit dans le Mercantour. Et voilà, on arrive. On finit sur le. Finit sur l'Acrobranche. Sensation tyrolienne. Voilà. Sympa. Donc, franchement, il a l'air bien sympa. Il a l'air bien sympa, il a l'air assez grand. Hein. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de s'éclater là. T'as des passages où t'es sur un vélo. Ouais, il a l'air bien sympa. Ouais. Voilà, donc on redescend de l'Acrobranche là, oh, petit chemin, et on arrive directement sur Casterino, sur le village. Voilà. Voilà tout ce qu'on a, enfin une bonne partie de ce qu'on a fait. Ce temps de rêve. C'est vraiment beau. Hein. Casterino, ça déconne pas quand même. J'aimerais bien. Donc voilà, si vous voulez continuer par là, vous pouvez faire tout ça. Je ne connais absolument rien. Donc ça, ça va être un jour ou l'autre, il va falloir se le tenter. On retourne à Tende par là. À la couleur de l'eau. Ça donne envie de se jeter dedans, mais bon, elle doit être encore fraîche. Dans l'eau. Ah, et ils sont pas bien avec leur petit van là-bas. Voilà. T'as les gens du pognon, t'as vu les bagnoles quand même qu'il y a à Casterino. Les gens du pognon, c'est incroyable. Ah mais t'as un tétale comme ça. C'est quoi, c'est une Aston Martin vous pensez? Je pense que c'est une Aston Martin. Putain, on est arrivé. Ouh. Ah, la délivrance. Ah. Oh. Oh, putain. Oh la vache. Oh. Oh les amis. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de poser le sac. J'avais pris mes palmes au cas où. Alors en fait, il faut savoir que mon coffre, c'est mon garage. Alors les chaînes, je pense que ça va servir à grand chose là. Hop. Les baskets, ça va faire du bien. Ah ouais. Oh ah, y a rien de tel hein, pour décompresser. Hein. Un petit week-end de déconnexion comme ça avant de reprendre le boulot. Une bonne douche là en rentrant. Ça va pas être du luxe, hein.
Parce que David fait que de péter, donc c'est un peu... Dans la tente, c'est... Bon. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui pète. Bon, les amis, eh bien, écoutez, je suis... J'espère que... que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Et puis, les amis, je vous dis à bientôt. David. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.